C'est un relooking extrême et résolument dans l'air du temps. Le centre-ville de Gradignan s'est refait une jeunesse, le résultat de 3 ans de travaux pour faciliter la vie des riverains, mais aussi des commerçants. C'était vraiment un immense parking, la place Roumégou. Voilà ce qu'on avait depuis la fin des années 60, début des années 70. On a souhaité un espace de convivialité. Maintenant, c'est arboré, c'est planté. On a fait un canal, puisque Gradignan, c'est une évocation de l'eau bourde. On a essayé de l'évoquer sur la place. On a essayé d'évoquer aussi tous nos parcs avec ces plantations d'arbres. La ville, c'est 400 hectares plantés. Donc voilà, on en plante un peu plus ici. C'est le célèbre architecte paysagiste Michel Courageau, auteur du miroir d'eau de Bordeaux, qui a réalisé le dessin de ce nouveau cœur de ville. Le chantier a pu démarrer en 2016, même s'il a été anticipé par d'importants travaux sur les réseaux. 10% de la place Roumégou sur laquelle on se trouve aujourd'hui ont été diagnostiqués. Les fouilles ont suivi en 2016 et en 2017. Et contre toute attente, près de 900 sépultures ont été mises au jour. Des travaux effectués sur une emprise de 3,5 hectares avec une volonté affirmée, créer 1000 places de stationnement gratuits pour faciliter l'accès au commerce. Le maire, il a été très conciliant. Il nous a écoutés, nous les commerçants, ce qui permet de faire en sorte que les gens peuvent venir facilement dans le centre. Ça remet un petit coup de jeûne. Voilà, ça met l'énergie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est beau. Ça a bien rajeuni la ville, il faut déjà dire ça. C'est vraiment très joli, c'est beau. L'inauguration est prévue ce samedi 25 mai avec au programme une grande fête où les habitants et les commerçants sont conviés.